Donc je me présente, je suis Jean Hiblat, maître ébéniste et je suis gérant de l'entreprise K-Concept, donc qui a son siège à Châtenois et on a l'atelier de fabrication à Hohenheim, donc à côté de Markolzheim. Nous sommes deux gérants associés, donc Philippe Kracher et moi-même, qui proposons notre savoir-faire à une clientèle très large dans des gammes assez variées, dans le domaine de l'agencement intérieur, le mobilier, l'escalier sur mesure qui est un de nos produits phares, des portes intérieures et tout ce qu'on peut réaliser et faire avec du bois et des dérivés, que ce soit les nouveaux matériaux modernes comme le corian, le verre par exemple, le fer, l'inox, donc des matériaux associés pour créer des choses un peu plus contemporaines que ce qui se faisait, encore il y a une quinzaine d'années par exemple. Nous sommes une entreprise qui a un effectif de 5 personnes, donc ce qui permet déjà d'être assez polyvalent de par les compétences complémentaires de chacun, et tout en gardant une taille réactive pour intervenir assez rapidement quand il le faut, mais surtout à intervenir sur des choses un peu pointues ou là où il faut un savoir-faire spécifique. Et c'est vrai que c'est une de nos forces, que ce soit au niveau de la maîtrise du matériau bois, qui est un domaine assez technique en soi, parce que le bois a des caractéristiques, le bois travaille, le bois fait du retrait en séchant, donc ça c'est toutes des choses qu'il faut maîtriser, c'est des choses qu'on maîtrise parce que on avait décidé quand on s'est mis à notre compte pour notre entreprise, on avait décidé d'investir tout de suite dans un matériel de séchage des bois autonome, qu'on ne soit pas tributaire de quelqu'un d'autre, et ça nous permet de ne pas avoir traité des problèmes de retrait de bois sur des portes par exemple ou en escalier où c'est très important de maîtriser le matériau bois en lui-même. Alors, ce qui est très intéressant actuellement, c'est de pouvoir effectivement jouer avec ces différents matériaux pour créer des choses plus contemporaines. On fait toujours des réalisations rustiques ou des choses très authentiques quand c'est de la belle porte d'entrée par exemple, ou des portes de cave pour vignerons. Il y a toujours à faire dans le bois rustique ou le meuble de style par exemple. Mais c'est vrai que la demande est croissante en produits un peu plus épurés, un peu plus modernes, et là aussi on est toujours ouvert à toutes les idées, et puis on a toujours un peu des petits plus à proposer en complément de ce que le client souhaite, de la direction où il souhaite aller esthétiquement et techniquement.